Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, en fait, c'est pourquoi je fais tout ça, en fait. Pourquoi tous les jours vous me voyez en vidéo, pourquoi j'ai entamé finalement ce chemin de développement personnel et qu'est-ce qui me porte. J'en parlais aujourd'hui avec ma coach et c'est vrai que je me suis dit que c'est important pour moi de vous expliquer pourquoi. En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été portée par cette envie de me sentir libre. Franchement, cette envie de vivre la vie selon mes propres termes, en fait. Et pour le coup, c'est, enfin, franchement, j'arrive pas à me souvenir à un moment où ça a été différent, finalement. Mince, j'ai oublié de mettre le micro. J'arrive pas à me souvenir d'un moment où ça a été différent en fait pour moi. Et du coup, je lui racontais finalement que pendant toutes les années où j'étais en entreprise, je changeais régulièrement. En fait, dès que ça ne me convenait pas, je changeais. Parce qu'en fait, dès que je sentais que mon... Ouais, j'ai jamais eu d'attachement, en fait, c'est ça que j'aimerais dire. J'ai jamais eu d'attachement finalement à un poste, à un... Enfin, franchement, moi, je change de poste comme je change d'appartement. Je n'ai pas de sentiment d'appartenance fort à un lieu ou à une entreprise ou voilà. La seule chose qui vraiment me porte dans tout ce que je fais, c'est vraiment ce sentiment de liberté que j'aime et que je chéris plus que tout et qui me porte vraiment dans tout ce que je fais. Parce que pour moi, être libre, c'est... C'est comme boire de l'eau, quoi. C'est comme boire de l'eau. Et je ne peux pas vivre sans, en fait. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Je ne peux pas vivre sans cette liberté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'autorise à saisir cette liberté à pleine main. C'est parce qu'en fait, j'ai développé ma confiance en moi. Parce que toutes ces années où je changeais d'entreprise régulièrement, parce que je ne croyais pas en fait que j'étais capable d'être libre. Donc du coup, je recherchais finalement cette liberté dans ce fait d'être, de changer régulièrement d'entreprise. Mais en fait, vraiment, ce qui me porte, c'est d'être 100% maîtresse de mon temps, de pouvoir l'utiliser comme je le désire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la vie que je désire. C'est-à-dire que la majorité de mes journées se passe à me former, enfin, la majorité de toutes mes journées se passe à me former, à apprendre, à lire, à transmettre. Et c'est vraiment quelque chose qui... Je suis vraiment heureuse et... Ouais, Ouais, je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à rendre ça possible pour moi. Et c'est pour ça, en fait, que je vous transmets tout ça en vidéo. Parce que je suis persuadée que c'est cette confiance en moi qui me permet aujourd'hui de faire ça. Sans cette confiance en moi que j'ai construite tout au fil de ces années, je n'aurais jamais pu m'autoriser à être libre dans tous les domaines de ma vie. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous inspirer à travailler sur votre confiance en vous, pour vous inspirer vraiment à aller vers la vie qui vous fait kiffer. Parce que pour moi, c'est tellement... C'est essentiel, en fait, de vivre cette vie pleinement, de pas attendre, quoi. Et c'est vraiment ce sentiment, quand j'ai atteint la trentaine, j'ai vraiment ressenti cette urgence de vivre la vie pleinement et d'arrêter d'attendre, genre, le bon moment, d'arrêter d'attendre que... Je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'attendais avant, mais j'attendais cette autorisation, en fait, que j'ai fini par me donner, cette autorisation de vivre libre. Et je suis, franchement, je suis intimement persuadée que c'est développer ma confiance en moi qui m'a permis de faire cela. C'est pour ça que tous les jours, je vous en parle, que tout le temps, c'est pour ça que j'insiste à ce point-là sur la confiance en soi. Parce qu'avant, en fait, je ne me rendais pas compte à quel point ce manque de confiance en moi avait un réel impact sur mon quotidien parce que j'avais toujours vécu comme ça, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, que j'ai vraiment embrassé cette liberté, que tous les jours je la vis, pour moi, ça. Pour moi, enfin, je me rends vraiment compte que ce qui me permet de poursuivre cette liberté, de l'embrasser, d'aller la chercher même quand c'est difficile, c'est vraiment cette confiance en moi, cette confiance en la vie, cette confiance dans le fait que peu importe ce qui va se passer, je suis soutenue, peu importe ce qui va se passer, je continue parce que
Mon but dans cette vie, c'est d'être libre, d'être heureuse et d'inspirer des millions de personnes à en faire de même. J'ai pas compris. Mais mon auditoire, ben c'est vous! Mon auditoire, ben c'est Internet. Je fais également des conférences, des ateliers. Donc voilà, c'est. Ben écoute, ben c'est, ben tant mieux, profites-en! Profites-en! Et c'est ça aussi que j'aimerais vous transmettre, c'est que j'ai Adam qui me dit qu'il est tout seul à regarder le live sur Facebook. Mais ce n'est pas important pour moi en fait, parce que je sais que mon message. Hey, coucou! Coucou! Bah, j'ai aussi quelqu'un sur Instagram. C'est pas, en fait, c'est pas le nombre qui est important. Et c'est, je vais en profiter pour vous transmettre ce que je pense là-dessus. Pour moi, c'est important vraiment de décorréler ce que l'on fait du nombre de personnes qui vous suivent. Parce que le nombre, c'est une course à l'ego. Et Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur vraiment enfin, hyper connu. Si vous ne le connaissez pas encore, allez voir ce qu'il fait. C'est vraiment quelque chose de très inspirant. Et il insiste tout le temps là-dessus. Il insiste sur le fait que. Énormément de personnes sont dans cette course au like, cette course au nombre de followers et se perdent là-dedans. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que bah, on a cesse. On se dit, ah, ma page ne grossit pas assez vite, les choses ne vont pas assez vite. C'est important de se recentrer sur son message. Pourquoi on fait ça? Moi, je fais ça pour être libre et je fais ça aussi pour transmettre ce désir de liberté, cette envie d'aller chercher cette liberté à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc que j'impacte une personne aujourd'hui, 100 demain, 3 millions dans 10 ans, c'est pas la question en fait. L'important, c'est qu'en fait, je transmette ce message comme il m'a été transmis. Et j'ai vraiment envie de transmettre ça parce que faut arrêter vraiment de se concentrer sur, ah, il y avait combien de personnes? Attends, quoi? Une seule personne en live? Ah mais non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer. Parce que si juste ce qu'on fait, c'est simplement pour le nombre de personnes, si tu n'es pas. Ça fait. J'ai commencé à faire des vidéos en 2016. J'ai eu des lives, j'avais du monde. J'ai eu des lives, j'avais personne, absolument personne. Et c'est pas le fait d'avoir quelqu'un pendant que je suis en train de faire le live qui me porte. C'est le fait de savoir que le message que j'apporte aujourd'hui, qui va être écouté. Et c'est vraiment important de garder ça en tête. Et je le transmets aussi pour toutes les personnes qui se lancent, pour toutes les personnes qui commencent. Parce que il y a des moments où il n'y aura personne. Il y a des moments où vous allez être tout seul avec votre désir, j'allais dire votre projet, mais avec votre rêve. Et en fait, que vous soyez accompagné ou que vous soyez seul, l'important c'est de garder en tête votre pourquoi. Pourquoi vous faites tout ça? Moi, je fais tout ça parce que je veux être libre. Parce que j'aime être libre, parce que je suis libre et parce que je veux le rester. Et voilà, tant que je pense que tant que je vivrai, j'aurai toujours ce feu qui m'animera parce qu'il m'a toujours animée. Simplement, aujourd'hui, ce qui fait que je m'autorise à vivre cette liberté, comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment développé ma confiance en moi. Et qu'est-ce que j'ai fait pour développer ma confiance en moi? Ben, je me suis formée, j'ai investi en moi, j'ai travaillé énormément sur mon développement personnel. Et c'est important pour moi de vous transmettre ça en fait parce qu'il va falloir suer un peu quoi, il va falloir donner de votre personne pour pouvoir aller chercher ce que vous voulez. Ça va pas tomber comme on dit en Guadeloupe, paix sous en pied coco quoi, tu vas pas secouer un cocotier, hop ça va tomber tout cuit quoi. Non, c'est important d'avoir une vision claire de ce qu'on veut parce que ça demande de la persévérance, ça demande du courage, ça demande d'aller chercher, d'aller plus loin que ses peurs, ça demande de dépasser ses peurs et ça demande aussi de dépasser son ego. Donc voilà, donc c'était pour cette grande réponse, Adam, pour toi, mais vraiment pour vous transmettre ça en fait. Être libre, c'est vraiment ce qui me porte et je sais que beaucoup parmi ceux d'entre vous qui me suivent aspirent également à cette liberté Aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre ce message-là. Vraiment travailler sur votre confiance en vous. Commencez par ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet de tenir. C'est vraiment d'avoir cette foi inébranlable en moi, en ce que je fais, en la vie, en le fait que je suis soutenue. Cette foi dans le fait que, bah, peu importe, no matter what, en fait, genre, je vais y arriver. Bah, d'ailleurs, enfin. Je vais y arriver. C'est-à-dire que cette liberté, je l'ai déjà.
Mais j'aspire à beaucoup, beaucoup plus. Et c'est ce qui me porte en fait. C'est ce qui me porte, c'est pouvoir bah, d'offrir cette liberté à mes proches, d'offrir également cette liberté à un maximum de personnes. Et ouais, et du coup, bah, on est là quoi, pour aller chercher ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, je vous embrasse. Oui, pour bah, d'ailleurs, comment on fait pour commencer? J'ai créé un guide de 10 mantras. Je vous en parle parce que vraiment c'est important pour moi que vous preniez conscience, que travailler sur votre confiance en vous, carrément s'aimer, mais s'aimer, God, mais oui, c'est tellement important. C'est Yasmaï33 qui nous dit ça sur Instagram. C'est vraiment important de s'aimer, c'est important. Et ça s'apprend en fait, ça s'apprend. Personnellement, il y a 5 ans en arrière, je ne m'aimais pas du tout. Et j'ai vraiment appris à m'aimer, j'ai appris à m'aimer telle que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, avec ce qui fait que je suis Clélia Isaac. Et voilà quoi, c'est se prendre dans son entièreté et puis avancer. Évidemment, bah, évoluer sur ce qui est important pour nous. Et puis garder en tête, pour moi, j'ai toujours ça en tête. Je peux être une meilleure version de moi-même. Je vais apprendre, j'apprends tous les jours et tous les jours je fais en sorte d'être une meilleure version de moi-même. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que je suis pas genre arrivée. Pour moi, il y a pas de destination finale. Oh. Il y a pas de destination finale quoi. C'est un chemin de toute une vie en fait. Et c'est ça qui est kiffant parce que je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre, j'ai déjà énormément de choses à transmettre, mais j'adore en fait cet infini en fait que j'ai devant moi parce que bah, toutes ces années que j'ai encore à vivre, je l'espère, bah, c'est autant d'années où je vais apprendre, où je vais pouvoir transmettre, où je vais grandir. Et ouais, et ça me fait kiffer tout simplement. Ça me fait kiffer bah, d'être libre aujourd'hui et de pouvoir utiliser mon temps vraiment pour faire ce qui est juste pour moi. Donc voilà, donc travaillez sur votre confiance en vous. Le guide des 10 mantras, il est disponible en haut sur Facebook, en bas sur, j'allais dire sur WhatsApp, n'importe quoi. Il n'y a pas encore de live sur WhatsApp. En bas sur YouTube et dans ma bio sur Instagram. Je vous invite vraiment à télécharger le guide et surtout à l'utiliser. Ça sert à rien de le télécharger si vous ne l'utilisez pas. Hein, je veux dire, c'est remplissez pas votre ordinateur. Engagez-vous vraiment à utiliser ces mantras. Genre, faites un contrat avec vous-même aujourd'hui. Lancez-vous un challenge. Tiens, je vous lance un challenge. Pendant 30 jours, de vraiment faire ces affirmations, de les utiliser, de les écrire pendant 30 jours et de voir vraiment bah, comment vous vous transformez. Parce que je vous assure que ça fonctionne. J'allais dire putain, mais je vous assure que ça fonctionne. Parce que, bah ouais, parce que bah, j'en suis la preuve. J'en suis la preuve vivante que travailler sur son état d'esprit, que faire grandir sa confiance en soi, ça fonctionne. Bon, je vais vous laisser parce qu'en fait, j'étais censée partir beaucoup plus tôt que ça et là, du coup, je suis en retard. Bon, alors je vous embrasse. Je parle comme une prof de faculté, mais c'est que je suis tellement animée par ce que je dis. En fait, ouais, je suis animée par ce que je dis et j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et je me dis qu'en fait, c'est un de mes mentors, Ralph Smart, qui dit ça. En fait, lui, régulièrement, il revient sur ce qui est important, vraiment sur cette notion bah, d'amour pour soi-même, sur la fille qui dit qu'elle est en retard, mais elle continue, mais je suis portée. Bon, anyway, attendez-moi. Il dit vraiment qu'il est. Ah shit, j'ai perdu ce que j'allais dire. Ouais, que c'est important en fait. Au début, je me disais, mais. Ah, pourquoi répéter ça tout le temps? Mais parce qu'en fait, moi, ça m'a pris du temps avant d'intégrer certaines choses. Il y a des choses qu'on entend tout le temps. Et un jour, il y a une façon de dire, une façon de l'entendre qui fait que clac, le truc se met en place et que ça fait sens pour nous, en fait. Parce que ben, je pense qu'il y a autant d'enseignants qu'il y a d'élèves. Et je dis pas ça dans un sens... Genre être au-dessus ou être en dessous, pas du tout. Je pense qu'on a tous une façon ça me donne chaud, ça. On a tous une façon de comprendre qui est propre à nous. Et du coup, c'est important de trouver la personne en face qui nous permet
d'intégrer ce dont on a besoin en fait à ce moment de notre apprentissage. Et personnellement, c'est ce que je fais régulièrement. Je cherche les personnes qui m'inspirent, je vais à leur rencontre, je travaille avec elles pour justement m'assurer de continuer sur cette vision que j'ai, de m'assurer de dépasser justement ces limites que je me mets, parce que on se met des limites, personne d'autre que vous ne vous met de limites. Simplement, c'est important de trouver la personne qui va vous aider, ou en tout cas la façon de faire qui va vous aider vraiment à aller au-delà. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, de vous épanouir chaque jour dans cette vie, parce que voilà, pour l'instant en tout cas, celle-là, on n'en a qu'une. Et je pense que vraiment, c'est une responsabilité pour chacun d'entre nous d'en donner, d'en faire le meilleur, on se dit, bref, de donner son meilleur, d'y aller à fond et d'arrêter d'attendre, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps qu'on est là, j'en perds mes mots, on ne sait pas pour combien de temps qu'on est là. Et j'ai envie de dire, vivons à fond, allons-y à fond, donnons-nous à fond. Simplement pour... vous savez, il y a un truc qui me... Je déteste avoir des regrets. Je déteste ça. Alors parfois, ça m'a mis dans des situations incroyables. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de regrets dans ma vie, en fait. Je n'ai pas de regrets. Parce qu'en fait, je vais toujours au bout des choses. Je m'oblige à y aller, même quand j'ai peur. Même quand j'ai peur, j'y vais. Et c'est vraiment quelque chose qui me porte de garder ça en tête. De vivre une vie sans regret. Sans regret. Parce que, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment marqué cette phrase. Vous savez, ce truc qu'on lit partout en citation, etc. Que, quand on interroge les gens sur leur lit de mort, ce qu'ils gardent en tête, ce sont vraiment leurs regrets, les regrets, ah j'aurais dû faire ci, ah j'aurais dû faire ça, ah pourquoi j'ai pas fait ci, etc. Chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose, je pense à ça. Je me dis, meuf, tu peux pas te retrouver genre à 90 ans, parce que dans ma famille, les gens vivent très vieux, tu peux pas te retrouver, donc j'espère avoir autant de chance qu'eux, tu peux pas te retrouver genre à 90 ans sur ton lit ou peut-être en train de faire ton ménage, après tout, si je suis en pleine forme là à 90 ans. À 90 ans, à ressasser tout ce que tu n'as pas fait. C'est pas ça que tu veux. Et le jour où j'aurai des enfants, c'est ce que je veux leur transmettre. Je veux leur transmettre vraiment ce truc d'aller à fond, de se donner à fond dans ce qui est important pour soi. Parce que je suis intimement persuadée qu'il n'y a pas d'autre moyen de vivre sa vie et que... Ouais, c'est ça. Bon, et je vous embrasse. Téléchargez le guide des 10 mantras. Je vous dis rendez-vous demain. Je file parce que là... je suis en retard. Bisous à tous, ciao. Bisous. Bisous Instagram, bisous, bisous. Ciao. Bon, je sens bien en train de parler. Hein. Je vous embrasse, bisous. Je file. Ciao.